Bon les mecs, c'est un peu le bordel là, parce que bah j'ai encore fait une connerie, on me dirait comme d'hab. On dirait, il fait exprès, il est con quoi. On va voir ça tout de suite et on va s'aider de la vidéo tuto du pote Armada, ça sera nickel. Donc comme quoi, le partage ça a du bon. Excusez-moi, je parle avec la clope au bec. Je disais le partage ça a du bon, parce que je vais pouvoir réparer ma connerie grâce à sa vidéo. On va se remettre un peu ensemble. Alors qu'est-ce que j'ai fait comme un con? Putain. Et là, je sais pas comment on voit là. Vous allez voir, il y a des bibis qui sont coincés là. Là où elles devraient pas être. Parce que comme un con. Ah ouais. Hein. On va être honnête. J'ai voulu le recharger comme les bibis plastiques par le haut. Ça passait pas, ça m'a gonflé, ça passait pas, ça passait pas. Bah oui, ça rentre pas là et donc elle est passée derrière. Je crois qu'il y en a deux même d'ailleurs. Parce que bah, fallait recharger visiblement ici. Alors j'arrive pas à vous le montrer, enfin par le petit trou qui est là. Et non pas par le haut. Mais expliquez-moi pourquoi il y a un petit schéma qui indique qu'on peut recharger là. Moi j'ai ma petite idée parce qu'il existe en version bille aussi celui-là. Bille plastique. Donc à mon avis c'est la même image. Bon toujours est-il que. Bah voilà, donc je me suis d'accessoires. Alors comme j'ai pas de chasse-goupille, bah, j'ai pris des petits tournevis. Je pense que ça ira. On fera ça délicatement. Marteau, j'ai ce qu'il faut. Un peu gros. Bon, ça c'était pour la déconnade. Au cas où, s'il y a besoin, on aura toujours la scie. Mais je pense qu'on en aura besoin. Comment on va faire? Bah, on va. Je crois, je vais mettre le. Je vais pas me casser la tête. Je vais vous mettre le téléphone comme ça pour mettre un petit peu ce qu'il avait fait en fait. Est-ce que ça va bien? Attendez, je vais peut-être éteindre ma lumière là-bas. Ah, mon vieux PC portable pourri. Et on va remater comment il avait fait ça. Ah, il n'y aura pas de montage cette fois. C'est à la bonne franquette, les mecs. J'aurais pu incruster l'image. Eh ben non. C'est là que c'était intéressant. Le chasse-goupille. Dans le bon sens. Je vais me rabattre avec vous. Donc là, voilà, il tapait son tape goupille sur la goupille. Peut-être baisser un peu. Voilà, moi, c'est la partie qui m'intéresse. Et enfin, je retire ça, voilà, pour avoir accès aux billes. Bah, j'espère que moi je répartirai la valve, par contre, normalement non. Est-ce qu'on te revoit la remontée derrière? Une fumier là, parce que si je sais pas remonter derrière. Tu me diras, c'est la pièce à remettre et la goupille, quoi. Ok, bon, bah écoutez, moi ce que je vous propose c'est qu'on mate ça, enfin qu'on fasse ça ensemble après tout. Hein. Je vais remettre la lumière déjà. Ouais, je trouve que c'est pas con de faire une petite vidéo comme ça. Avec le tuto du pote en plus. Comme quoi ça sert, vous voyez. Donc c'est cool, je mettrai son lien si jamais il y a des gens qui tombent sur cette vidéo qui sont pas trop du groupe, là on sait jamais, bah, vous tomberez sur sa chaîne, comme ça c'est impeccable. Après je pense pas trop que c'est moi qui vais ramener du monde sur vos chaînes les mecs, avec ma chaîne d'amateur, mais bon, pourquoi pas. Mais en tout cas, je trouve sympa le concept de voilà. J'ai pu voir comment on fait. Donc, nous, c'est pareil. On a donc la goupille qui est là. Donc, je vais préparer tout ça et puis on va sortir ça. Hein. On va réparer mes conneries. Go! Voilà. Donc, s'il y a des gens qui tombent sur cette vidéo, je vais ranger le PC après. Enfin, je vais le mettre pas trop loin. Donc on a encore besoin. Sait-on jamais que je revisionne encore. Ah, évidemment, je fais de la merde. Évidemment, sur mon truc en tapis, on. Fausse pelouse là. Voilà le nom de la chaîne. Oh là, décidément, c'est la feinte. Armada Gun Show. Mais donc je mettrai le lien. Mais si jamais il y a des gens qui tombent sur cette vidéo, bah c'est sympa. Vous avez un petit peu de vidéos historiques sur les différentes armes. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Puis vous voyez, c'est toujours utile. En plus, les partages quand on a des galères. Donc ça, c'est cool. Ouais, bah je disais, comme j'ai pas de chasse goupille, ça sera pas mal. Bon, ça l'abîmera un peu, mais écoutez. Hein. À prendre la plus petite comme ça, 1,4, ouais.
1,4. Voilà, ça a l'air de faire. Ah, j'avais commencé à la sortir un peu, mais j'arrivais pas jusqu'au bout. Est-ce que j'avais entamé? On sait plus. Bon, écoutez, moi, je vais essayer de trouver. Est-ce que ça marcherait bien? Ça va pas con. Pas con sur le bambou. C'est un peu balèze le marteau. Voilà, elle est venue toute seule. Écoutez les gars, c'est venu tout. Alors ne pas perdre la goupille, il a dit. Donc qu'est-ce qu'on va faire pour ne pas perdre la goupille? On va la mettre dans la petite boîte sur le jaune. Voilà. Donc j'ai chassé ma vilaine goupille. Et après, ça doit venir tout seul. Alors, il a dit, vous faites ça mieux, normalement. Alors, comment que ça marche? Oh, j'espère qu'il faut pas. Oh là, bah, impeccable. Okay, bon, moi, j'ai un peu tout démonté. Et voilà. Nos deux coupables de bibille. Bah, impeccable. Là, c'est un petit peu vidé. Donc, attends, on va essayer de ne pas le remettre à l'envers. C'est là que ça pose problème. Et c'est là que je vais aller revoir sa vidéo. En off, les gars. Bon, déjà, c'est cool, j'ai récupéré les deux coupables. Merde, moi, j'aurais fait tomber une. Qui est bien tombée, d'ailleurs. Bon, bah, j'ai plus qu'à remonter ça. Donc, attendez, je coupe pour revoir, pour pas faire de conneries. Ça serait dommage. En plus, c'était filmé, cadré comme un cul. On n'est pas sur le bon pétard, c'est ridicule. Voilà. Bon, je crois que je vais remonter ça. Voilà, c'était comme ça, ok. Alors, attention. Petit filtre là. Je sais pas à quoi ça sert. Ok. Petit joint. Oh, je finis ça, les mecs. Ah, je vous montre, c'était ce petit filtre là qui faisait chier. Je l'ai mis en off parce qu'on aura vu ma tête de pamplemousse sinon. Donc c'est fait. Ça va pas mis de temps. Pour une fois, j'ai pas galéré. Et là, non. Oui, non. Je sais pas. Est-ce qu'on est bon là? Non, il est pas bon. Voilà, je recoupe avant que ça me gonfle. Bah voilà, bon, ça a pris 5 secondes, en fait je m'énervais pour rien. Bah écoutez, voilà, c'est bien remis. Il n'y a plus qu'à remettre la goupille, sinon ça tiendra pas. Il n'y a plus les billes, donc je vais refoutre ma goupille. Elle est où ma goupille? Non, elle est là. Et faut pas l'attendre. Qu'est-ce que je tapoterais pas juste avec ça? Attends, un léger petit coup, vraiment. Ça sort pas bien. Évidemment, j'ai pas le marteau adéquat. Attends, je vais pas taper que ça comme un bourrin quand même. On va faire plutôt comme ça. Elle est remise, mais je suis pas sûr de l'avoir. Tant pis, hein. Voilà, elle est remise. Okay. Impeccable. Bon, bah, j'aurais plus qu'à faire le test de ce pétard quand même, j'ai pas mis à l'envers au moins, ça serait con. Bah, c'est cool, Armada, tu vois, tuto bien utile, donc, je suis bien content. Bah, et plutôt qu'aller faire réparer ça alors qu'on peut le faire soi-même, c'est un peu con. Donc, mission accomplie, mon pote, merci à toi. Donc, n'hésitez pas à aller voir sa petite chaîne encore, enfin, sa petite chaîne, non, sa belle chaîne. C'est plutôt moi qui ai une petite chaîne ridicule. Mais bon, bah, c'était bien cool, et en plus, ça m'a bien éclaté de faire ça. Il est bon hein, celui-là. Allez, on va bientôt faire le test. Bah, tchuss les potes. À plus.